D'abord, merci de cette lettre. Vous l'avez dit, c'était déjà mon livre de chevet. Mais ce qui est important maintenant, c'est que je vous aide à la populariser et à faire passer les propositions concrètes qu'elle contient dans les faits. Et donc, je serai fidèle à la mission que vous m'avez confiée. Je la remettrai au secrétaire général des Nations Unies lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, où nous nous trouverons à la fin du mois de septembre. Et je la ferai partager aussi, mais vous l'avez peut-être déjà fait, à l'ensemble des délégués, pour qu'ils délibèrent en ayant votre lettre et ses propositions à l'esprit. Quelques mots en vous disant le plaisir que c'est pour le Quai d'Orsay, en tout cas le ministère, de vous accueillir aujourd'hui. On est à un peu moins de 3 mois de la conférence de Paris et je pense qu'il est très important de faire entendre la voix des associations humanitaires internationales. Alors on nous a dit, si j'ai bien compris, qu'il y avait 2 tweets majeurs aujourd'hui. L'un qui concernait un événement relatif à la vie de la reine Elisabeth et l'autre qui concerne ce que vous faites ici. Mais l'événement qui concerne la reine Elisabeth s'arrête ce soir, tandis que ce que vous faites ici sera prolongé. Cette rencontre, c'est un peu l'esprit dans lequel nous voulons travailler pour cette présidence française. C'est-à-dire écouter, avoir un niveau d'ambition élevé, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un accord, il s'agit que l'accord permette d'avancer. Et puis, en même temps, trouver un esprit de compromis, parce que l'une des difficultés majeures de la conférence, comme vous le savez, c'est qu'elle doit agir par consensus. Donc, j'aurai en face de moi 196 parties IES, qui sont extrêmement différentes par définition, et il faut, sans diminuer l'ambition, arriver à trouver un accord entre toutes ces parties. Mais je pense que Laurence Tubiana a dû vous dire ce matin un petit peu l'état des discussions. Il y a peu de jours, c'était d'ailleurs ce week-end, dans cette même salle, je recevais une cinquantaine de ministres venus du monde entier et représentatifs pour avancer sur 2 sujets majeurs que d'ailleurs vous avez abordés dans votre propos, aussi bien vous, madame, que Pascal Boniface, la question de l'adaptation, qui est évidemment fondamentale, et la question du financement, qui ne l'est pas moins. Et on ne peut pas dire que nous ayons encore conclu, parce que les procédures sont très complexes, mais enfin, je pense que nous avons quand même avancé. Laurence Tubiana vous a présenté ce matin l'état des discussions, les difficultés, les points qui sont en suspens. Je ne vais pas y revenir, mais je voudrais peut-être faire écho à quelques points que vous soulevez et certaines des propositions que vous présentez. Le premier point qui est fondamental, absolument fondamental, sur lequel vous insistez, c'est l'idée que le réchauffement climatique, d'ailleurs il faut mieux appeler ça dérèglement climatique parce que ce fameux réchauffement peut se traduire dans certains cas par un refroidissement. Bon, la réalité c'est que c'est un dérèglement. Le dérèglement climatique n'est pas simplement un problème environnemental, mais aussi, surtout et en même temps, une menace extrêmement grave pour le développement, pour la santé, pour la sécurité des populations et finalement pour la paix dans le monde. C'est l'idée qu'a développée Pascal Boniface et qui est parfaitement exacte. Nous n'aurons pas de long débat sur ce point parce que je suis à 100% d'accord avec vous et j'ai même écrit quelques papiers sur ce sujet. Quand on me demande d'expliquer pourquoi cette question de la conférence de Paris est importante et en fait ce qui est en jeu, je dis en essayant de peser bien le sens des mots
que c'est un problème vital. Pourquoi c'est un problème vital? Parce que d'abord, ce qui est en jeu, c'est la vie de la planète, la vie des espèces et la nôtre. Vital aussi, c'est le deuxième sens de ce mot, parce que de la résolution ou non de cette question dépend au fait, en fait, la résolution ou non de la plupart des autres questions. Vital parce que aucune région du monde n'est épargnée, même si elles sont touchées dans des proportions différentes, et ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés. Et puis vital aussi pour une raison supplémentaire qui n'est pas toujours perçue, et j'espère pouvoir être clair dans mes explications. Quand on a affaire à une conférence internationale, en général, on espère toujours régler, arriver à un bon résultat. Mais on peut se dire, après tout, si on n'obtient pas un bon résultat cette année, eh bien on l'obtiendra l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, le problème est très différent. Parce que la nature même des gaz à effet de serre, qui sont envoyés dans l'atmosphère et qui restent, en fonction de la diversité de leur nature, soit quelques mois, soit quelques années, soit quelques décennies, soit quelques siècles, fait que si nous n'arrivons pas à régler la question rapidement, la question n'est plus soluble. Et c'est en cela que ce n'est pas une réunion ou une conférence comme toutes les autres. C'est pas simplement, et c'est pour ça que j'emploie le mot vital, parce que c'est pas simplement une négociation, c'est une course contre la montre. Et si on ne remporte pas cette course contre la montre, à ce moment-là, on se trouve dans un piège qui est irréversible. Voilà toutes les raisons pour lesquelles il est absolument indispensable d'aboutir à un accord ambitieux au mois de décembre et de bien faire comprendre, je pense surtout par rapport à nos populations, que ce n'est pas une question seulement de spécialistes, que ce n'est pas une question seulement d'un climat ou d'un moment qui serait plus ou moins chaud, mais c'est vraiment la question du développement, de la sécurité, de la vie elle-même qui est posée. L'autre jour, je relisais un livre absolument magnifique de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle « Triste tropique ». Et à la fin de ce livre, il y a une phrase de Lévi-Strauss, je ne la cite pas exactement, mais son esprit est celui-là, où il dit « Le monde a commencé sans les hommes et la question est de savoir s'il se prolongera sans eux. » Et je pense que là, on est vraiment au fond de la question. Une deuxième remarque que je voudrais faire porte sur quel objectif nous fixer et comment agir. Alors, appelons un chat, vous proposez de fixer un objectif collectif limité à 1,5 degré et de zéro émission en 2050. C'est évidemment hautement souhaitable, mais vous le savez comme moi, l'objectif défini dans les négociations, même s'il y a toujours un paragraphe qui est ambivalent, le plus souvent, c'est une limite à 2 degrés. Mais beaucoup de pays, et notamment les États insulaires, réclament une limitation à 1,5 degré, car dès ce seuil, ils seront déjà très gravement touchés par les effets du dérèglement. Nous sommes en train de discuter sur l'opportunité de choisir tel élément ou tel autre. Je ne peux pas vous dire à ce stade quel chiffre sera privilégié, mais il est exact scientifiquement que dès 1,5 degré, les conséquences sont extrêmement lourdes. En ce qui concerne l'objectif collectif, il y a des discussions dont peut-être Laurence vous a rendu compte, et les mots, comme toujours, ont une grande importance. Est-ce qu'on peut parvenir à faire partager l'objectif de zéro émission d'ici 2050? Est-ce que, comme c'est le cas dans le dernier communiqué du G7, on fixe un objectif plus général de décarbonation de l'économie mondiale,
c'est-à-dire zéro émission nette d'ici la fin du siècle, la discussion n'est pas facile, car, vous l'imaginez, lorsque, sans vouloir personnaliser tel ou tel pays, nous discutons avec des pays dont les ressources essentielles sont des énergies fossiles, pour leur dire, écoutez, oui, mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut que nous allions vers une économie décarbonée, que nous commençons à afficher des chiffres, évidemment, on sent des réticences et des résistances très fortes. Je ne sais pas si nous parviendrons dès Paris à aller au-delà de l'objectif qui est fixé, mais tout montre que si on veut vraiment engager ce changement dont vous parliez, il faut non seulement fixer un objectif, de court terme, mais avoir un objectif long pour que chacun mesure bien que nous sommes engagés. Vous proposez aussi que les contributions nationales incluent des éléments très concrets, par exemple sur la préservation des forêts et des récifs coralliens. Je partage votre avis. Lors de la conférence de Lima, en décembre dernier, j'ai le souvenir que nous avions discuté de cela, mais que nous n'avions pas pu nous mettre d'accord sur des critères précis pour les contributions nationales, parce qu'un certain nombre de pays avaient dit « c'est la première fois, donc vous ne pouvez pas être trop précis ». Ce qui est important, c'est déjà que chacun prenne des engagements, et ensuite, on pourra être plus précis. Quand on regarde quand même ces contributions, et aujourd'hui, nous en avons 56 qui ont été publiées, représentant à peu près un peu plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, il y en a qui détaillent avec une grande précision la manière dont elles entendent mettre en œuvre leurs objectifs. Je pense que c'est tout à fait important pour la crédibilité de ces engagements et pour qu'ils soient compris par les concitoyens. Et donc, mon effort, c'est que pour la suite, après Paris, nous puissions être plus prescriptifs. Parce qu'il faut bien comprendre que Paris, pour employer un mot français, c'est un turning point, mais que nous n'allons pas résoudre toutes les questions. Mais en revanche, il est très important qu'à Paris, nous puissions mettre en route des mécanismes, et je pense notamment aux mécanismes de révision, au cycle de révision, qui nous permettront de ne pas faire le même effort méthodologique tous les 5 ans, tous les 8 ans, tous les 10 ans. Sinon, nous n'en sortirons pas. Et je pense que inscrire ces mécanismes de précision et de révision, même si nous n'arrivons pas dès décembre à ce qu'ils soient traduits dans les faits, mais s'ils sont traduits dans le droit, déjà ce sera un progrès très utile. Comment est-ce qu'on peut réduire la vulnérabilité des populations au dérèglement climatique? C'est la question majeure de l'adaptation. C'était, je vous l'ai dit, un des deux thèmes de la discussion que nous avons eue tout ce week-end. Et c'est évidemment la préoccupation numéro un des pays les plus vulnérables. Je dois dire, et ça c'est un aspect positif, que depuis que je suis ces questions, je constate des progrès importants dans la prise de conscience par tous les pays, parce qu'un certain nombre jusqu'à présent n'étaient pas très conscients de cela, la nécessité d'avancer beaucoup sur ce sujet. Ça veut dire nous fixer un objectif commun, comme nous l'avons fait pour les 2 degrés ou les 1,5 degrés. Ça veut dire encourager tous les pays à se doter de plans nationaux d'adaptation. Ça veut dire aussi dégager davantage de moyens financiers. C'est pourquoi, et je tiens à le dire, il y a déjà une décision positive prise par le conseil d'administration du Fonds vert, Green Climate Fund, qui a décidé de consacrer désormais à l'adaptation 50% des ressources du Fonds vert. Mais ce qui ressort des discussions que nous avons avec mes collègues sur ce sujet, c'est que nous devons tendre vers le même objectif de moitié-moitié pour l'ensemble des financements climat. Vous souhaitez aussi que les bailleurs fassent de l'adoption du plan national d'adaptation un critère d'attribution de leur aide. S'agissant de la France, j'ai demandé à l'AFD de prendre systématiquement en compte ce critère dans les projets d'infrastructures financés en particulier en Afrique, parce que si nous finançons des projets dont le bénéfice est perdu le lendemain à cause des effets du dérèglement climatique, c'est vraiment gaspillage. Vous insistez aussi sur l'importance des mesures de réaction rapide aux catastrophes. Là encore, nous partageons la même conviction. Je dis « nous » parce que je ne sais pas si Yannick Girardin était là ce matin, mais vous savez que
la secrétaire d'État est particulièrement chargée de travailler sur la généralisation avant 2020 de la couverture des pays les plus vulnérables par des mécanismes d'alerte précoce face aux événements climatiques extrêmes. En initiale anglaise, ça donne le mécanisme CRUSE. Et nous avons fait les évaluations. Nous devons pour ça mobiliser 100 millions d'euros d'ici 2020. Nous sommes en train d'y travailler et nous pensons que la conférence de Paris devrait se traduire par des résultats très concrets dans ce domaine de l'alerte. Autre point, tout ce que vous dites sur la prise en compte des droits de la personne humaine, hommes et singulièrement droits des femmes. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y aura un certain nombre d'événements, disons-le, femmes, au cours des semaines qui vont venir. Il y aura un événement sur les femmes et le climat lors de l'Assemblée générale des Nations unies, à la fin du mois de septembre. Un autre au Quai d'Orsay prévu au mois d'octobre. Et au sein même du déroulement de la COP, nous avons prévu qu'un événement soit consacré à ce thème extrêmement important, parce que, et j'ai souvenir d'une intervention extrêmement percutante faite par notre amie l'autre jour à Lille, et je crois qu'elle a recommencé ce matin. Je peux d'ailleurs vous donner une anecdote. Notre amie, l'autre jour, nous étions à Lille ensemble, dans une autre assemblée, et elle disait, mais les COP, vraiment, c'est pas juste, parce que moi, quand je viens avec ma délégation, comme je suis d'un pays pauvre, vous le rappelez, nous sommes deux, tandis que vous, les pays riches, vous êtes 60, etc. Je lui ai dit, sur tout le reste, je vous suis. Mais là, honnêtement, compte tenu de votre force de conviction, à mon avis, à deux, vous en faites beaucoup plus. Hein, et vous êtes beaucoup plus efficace que ce que vous en. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas égaliser les choses, mais j'avais été frappé par cet élément-là. En tout cas, je pense que ce thème est tout à fait majeur. Un autre point, évidemment majeur, c'est la question des, je ne sais pas comment il faut les appeler, déplacés environnementaux, climatiques. Le constat est malheureusement le bon, et le rapprochement que vous avez fait est très juste. Aujourd'hui, en Europe, nous avons ce qui est convenu d'appeler une crise migratoire. Et vous voyez les conséquences que cela entraîne, les problèmes, les interrogations de toutes sortes. Mais ça concerne quelques centaines de milliers de réfugiés. Si nous n'agissons pas assez ou pas assez vite contre le dérèglement climatique, avec les conséquences que chacun de vous connaît sur les sécheresses, sur les famines, sur les inondations, sur la question de la sécurité, ce ne sont pas des centaines de milliers, mais ajoutons pas mal de zéros, qui seraient concernés par les mouvements migratoires. J'aurai l'occasion de traiter cela en particulier puisque je me rendrai au Bangladesh avec mon collègue ministre des Affaires étrangères allemand d'ici quelques semaines. Et le Bangladesh est directement touché par cela, vous le savez parfaitement. D'où la nécessité pour la communauté internationale, d'une part, d'agir sur l'atténuation et l'adaptation, et d'autre part, de faire preuve de solidarité pour trouver des solutions pour les personnes qui sont obligées de quitter leur environnement à cause des catastrophes naturelles ou d'autres événements liés au climat. Il y a une initiative qui a été mise en place en 2011 à la suite de Cancun, qui réunit un certain nombre de pays, dont la France. Ce groupe va se réunir au mois d'octobre prochain à Genève. Je souhaite que nous puissions aboutir à des propositions opérationnelles, à la fois pour mieux anticiper ces migrations et pour définir une sorte de charte de principes communs qui concerne ces futurs migrants. Voilà quelques éléments que je voulais dire pour faire écho à « Il est temps d'agir ». C'est vrai que venir à la tribune pour dire « assez parlé, il est temps d'agir », c'est un peu paradoxal. C'est un peu comme ce philosophe qui écrivait un très gros livre dont le thème était « Le langage n'existe pas ». Mais il faut à la fois parler et agir.
La parole est utile parce qu'il faut faire passer des messages, il faut réfléchir, il faut travailler entre nous. Mais tout ça doit déboucher évidemment sur l'action. Et de ce point de vue-là, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui sont là, remercier Action contre la faim, Care France, l'IRIS, qui ont pris l'initiative de cette réunion, le Centre de crise et de soutien aussi du Quai, parce que je pense que directement, par vos initiatives, et puis par vos membres, et puis par les résonances que tout cela peut entraîner, je pense que ça donne une dimension tout à fait essentielle à la préparation de la conférence de Paris. Et je termine par un constat qui, je ne sais pas si c'est un regret, en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Compte tenu de ce qu'est la société mondiale, les choses sont ainsi faites aujourd'hui que quand des responsables politiques disent qu'il est urgent d'agir, on les écoute d'une oreille qui n'est pas nécessairement très attentive. Quand des acteurs humanitaires tirent la sonnette d'alarme avec des arguments précis, alors je constate qu'on les écoute beaucoup mieux. Et j'en tire la leçon qu'il faut unir nos efforts parce que, comme vous l'avez fort bien dit, c'est l'essentiel qui est en jeu. Je serai donc un messager fidèle et j'espère actif, oui, c'est sûr, mais je l'espère avec du succès des messages que vous avez passés aujourd'hui. Merci.